En 1951, la France signe la Convention de Genève. Elle accepte ainsi une noble, mais lourde responsabilité, celle d'accueillir sur son territoire des demandeurs d'asile. 60 ans après, quel constat pouvons-nous faire? Pour les époux d'Icats, tout commence comme dans une pièce de Shakespeare, dans une géorgie divisée. David, originaire de la communauté abkhaze, installé dans le nord-est de la Géorgie, et organisé avec le soutien des Russes en une république autonome d'Abkhazie. Zinadia, elle, née dans une des quelques familles géorgiennes, a s'être réinstallée dans cette province après leur expulsion. Deux communautés voisines, mais deux communautés en guerre en cet été 2008. Mais ils sont amoureux. Et on aurait pu le dire déjà, de fin heureuse il n'y aura pas. Un soir, monsieur est laissé comme mort par les frères de la mariée. Et les époux comprennent alors qu'il ne leur sera pas possible de vivre ensemble, en Géorgie, sans craindre pour leur vie. Alors ils décident de fuir vers l'Europe. Leur porte d'entrée fut la Pologne, mais leur espoir de courte durée. En effet, le séjour toléré des demandeurs d'asile en Pologne ne leur offre qu'une faible protection. Les rapports du Haut Commissariat aux droits de l'homme et de l'Agence européenne des droits de l'homme pour le Parlement européen décrivent des réfugiés qui attendent là des mois, voire des années, sans information sur leurs droits et sans prise en charge médicale. Absence de soins particulièrement préjudiciable pour M. Dicaz, qui se révèle être porteur d'une hépatite C. En effet, M. Dicaz avait dû être hospitalisé et transfusé avec du sang contaminé. Fiévreux, nauséeux. Monsieur Zetiaz ne supporte plus la vie dans les centres. Et Zinadia est enceinte. Alors ils décident de fuir. Encore. Ils arrivent ainsi en France, à Grenoble, où ils sont pris en charge par un réseau associatif. Ils déposent alors une nouvelle demande d'asile. Et dans l'attente de cette décision, naît leur premier enfant, Georgie, en octobre 2009. L'examen de leur demande d'asile va être rejeté par la France, en application du règlement Dublin II. Disposition adoptée en 2003 par le Conseil de l'Europe et qui prévoit que la demande d'asile doit être examinée par le premier pays européen traversé par le demandeur d'asile, en l'occurrence la Pologne. Pourtant la France aurait pu choisir qu'il en soit autrement. En effet, le règlement Dublin II contient une clause, la clause de souveraineté, qui permet à l'État, sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile, de décider d'examiner lui-même cette demande d'asile. Clause que l'État doit mettre en œuvre lorsque le pays de renvoi ne respecte pas les dispositions internationales. C'est sur ce fondement qu'en 2007, Brice Hortefeux lui-même avait recommandé que des réfugiés tchétchènes ne soient pas renvoyés vers la Pologne, où leur demande d'asile n'avait pratiquement aucune chance d'aboutir. En 2008, les tribunaux administratifs de Strasbourg, de Lyon, de Lille et le Conseil d'État ont annulé des décisions ordonnant le renvoi de demandeurs d'asile vers la Pologne. Parce que le droit d'asile est un droit fondamental, un droit inhérent à la personne humaine, protégé tant par la Constitution que par de nombreuses conventions internationales. Que le droit français n'accorde pas la qualité de réfugié, mais il la reconnaît. Droit récognitif, qualité de réfugié qu'on porte en soi, avec son histoire. Qu'un État membre de l'Union européenne et signataire de la Convention de Genève est tenu non seulement d'une obligation positive de mettre en place des procédures sur lesquelles une demande d'asile pourra être examinée, d'accueillir sur son territoire le demandeur d'asile le temps de l'examen de la demande dans des conditions qui ne portent pas atteinte à sa dignité, de lui fournir de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se soigner. Mais aussi une obligation négative de ne pas faire obstacle à ce que cette demande soit effectivement examinée et dans de telles conditions. Qu'enfin, lorsque l'on prend la décision de renvoyer un demandeur d'asile dans un pays qui ne respecte pas ces dispositions internationales, alors c'est nous qui violons ces règles. Mais les époux d'Icaz ne furent pas entendus.
Leurs demandes d'asile furent rejetées, ainsi que leurs différents recours. Et une obligation de quitter le territoire français fut prononcée contre eux lorsqu'ils demandèrent une carte de séjour pour soins et accompagnement de malades. C'est ainsi que le 7 juillet 2010, des policiers frappèrent à leur porte et la famille fut placée en centre de rétention administratif. Monsieur, malade. Madame, enceinte de quelques mois. Et Jordi, 9 mois. Parce que quelle alternative laisse-t-on réellement aux parents à l'encontre desquels une décision de placement en centre de rétention administratif a été prise? Celle de laisser leur enfant derrière eux? On rappellera seulement ici qu'il est interdit de placer un mineur dans un centre de rétention. Alors que font-ils là? Le couple et leur jeune enfant vont rester 15 jours en centre de rétention avant d'être emmenés en zone d'attente. Et alors qu'ils sont en France depuis un peu plus d'un an, les souvenirs de la Pologne vont leur revenir en mémoire. Le stress de l'arrestation, le rejet successif de leur recours, l'attente. Et la perspective d'un retour vers un pays qu'ils ne connaissent pas, si Nadia commence à ressentir de vives douleurs dans le bas-ventre. Elle est alors immédiatement prise en charge par un médecin qui va alerter les autorités. Elle est en train de faire une fausse couche. Elle ne doit pas être transportée dans cet état. Il y a un danger pour la mère et pour l'enfant. Mais rien, décidément rien, ne semble pouvoir arrêter cette procédure. Madame va perdre l'enfant et être placée dès le lendemain dans l'avion le 20 juillet 2010. Alors arrivée en Pologne, monsieur va prévenir un contact en France. Madame a été immédiatement hospitalisée à son arrivée en Pologne. Et ça sera là les dernières nouvelles que nous aurons du couple. Non, rien. Rien, décidément rien, n'aurait pu empêcher qu'on en arrive là. Pas même le droit, pas même un juge. Le cas de la famille Oudikaz nous révèle, par l'extrême certes, mais jusqu'où notre politique peut nous conduire. Car c'est là la stricte application de procédures administratives qui a conduit à l'expulsion d'une femme qui venait de faire une fausse couche, accompagnée d'un enfant de 9 mois et de son mari malade. Aucune décision n'était infondée juridiquement. Mais à aucun moment, on a voulu voir autre chose que leur situation irrégulière. Car quelle place pour les droits fondamentaux de la personne, lorsque l'étranger n'est plus considéré comme une personne? Comment invoquer la Convention européenne des droits de l'homme devant les tribunaux administratifs lorsqu'on ne se soucie plus de l'homme, mais de chiffres? Tel Don Quichotte se battant contre des moulins à vent, c'est une entreprise vouée à l'échec. Le cas de la famille Oudikaz nous heurte, mais révèle la déshumanisation du contentieux des étrangers. Car pire encore, quelle garantie avons-nous vraiment que demain cela ne se reproduira pas, puisqu'une fois déjà, on a pu en arriver là? Aujourd'hui, la Pologne s'est dotée d'un nouveau statut, plus protecteur pour les demandeurs d'asile, assumant ainsi son rôle de porte d'entrée vers l'Europe. Car c'est sur des pays comme la Pologne et la Grèce, frontières extérieures de l'Europe, que repose aujourd'hui cette responsabilité que l'on ne veut plus porter. Aujourd'hui, la France fuit cet engagement. Aujourd'hui, la France fuit cette responsabilité. Responsabilité pourtant encore rappelée la semaine dernière par la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt rendu contre la Belgique, condamnant cette dernière pour avoir envoyé des demandeurs d'asile vers la Grèce, où l'on connaît les conditions dans lesquelles les demandes d'asile sont examinées. La Cour européenne des droits de l'homme condamne cette interprétation de Dublin II et en appelle à une responsabilité partagée des États membres de l'Union européenne. Gardons-nous de nous laisser entraîner par cette politique qui nous pousse à ne plus nous sentir concernés par ces questions, qui nous pousse à croire que ce n'est pas sur nous que pèse cette responsabilité. Ne fermons pas les yeux, ne baissons pas les bras. Car si l'homme échoue à concilier justice et liberté, alors il échoue à tout. Albert Camus.